Bonjour mes abonnés, comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes mercredi 14 février. 14 février, c'est la Saint-Valentin. Bonne fête à tous les amoureux, à tous les couples, à tout le monde. À tout le monde. Voilà, c'est le 14 février. Il est 11h35. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, je vais bien, ça va. Je sors très tôt, je suis trop contente. J'étais branchée la première, donc ça c'est cool. J'ai dormi un petit peu ce matin, ça m'a fait du bien. Et puis là, je repars à la maison. Je vais aller manger parce que j'ai un petit peu faim quand même. Aujourd'hui midi, c'est du cassoulet. On va manger du cassoulet. Alors, je voulais vous parler de l'appareil à hot dog. Bah, franchement, bof. En fait, ça tient que le chaud. Voilà. Ça chauffe les saucisses et ça chauffe le pain. Franchement, pas top. Je suis un petit peu déçue. Ouais. Pas top, franchement, pour ce que c'est, à 20 euros, je trouve que ça fait un peu cher. Et encore mon nez qui pique. Hein. Et ça, c'est souvent quand je parle, faut que j'arrête de parler. Ouh, j'ai une petite tension encore. 10,5. C'est pas beaucoup, hein, mais bon. Mais sinon, les hot dogs, c'était bon. Hein. Très bon même. Mais ouais, l'appareil, pour ce que c'est, je trouve que ça fait un peu cher. Donc là, ce midi, c'est cassoulet. Et ce soir, c'est pas bagna. Mais on change. Le pas bagna, ce sera un peu plus tard. Je vais faire les lasagnes. Je vais faire les lasagnes. Comme je les ai pas faites hier. Donc, je vais les préparer aujourd'hui, ça va aller vite. Hein. Bon, j'espère que j'irai mieux depuis... Enfin, que j'irai mieux tout à l'heure. Que je ne serai pas trop fatiguée. Voilà. En fait, vous savez quoi? Je m'en doutais hein, que ça allait être décalé, hein, mais... Souvent, on n'a pas envie de manger ça, en fait. Et bon, c'est... Je le remets quand même dans le menu. Hein. Ça reste... dans le menu de la semaine. C'est pas grave. Mais je trouve que je m'y tiens quand même. Même les courses. Franchement, ça va. Aujourd'hui, je n'y vais pas. Donc, c'est cool. Puisque c'est pas les pas bagna. Donc, sinon, j'aurais été obligée d'aller chez Lidl pour le thon. Donc, il n'y a pas besoin. Donc aujourd'hui, pas de magasin. C'est cool. Donc là, je rentre directement. Oh. Mais en fin de séance, je commence à avoir des petites crampes. Chiant, ça fait mal. Par contre, la luminosité, elle est pas belle, hein, je trouve. C'est fort clair, j'ai l'impression. Fort clair. Ah, je sais pas, c'est bizarre. Bon les amis, je vous reprends. Il est 15h50. Alors je suis rentrée, j'ai mangé. Et puis je me suis reposée dans le canapé, mais j'ai des crampes. Le moindre mouvement que je fais, j'ai une crampe ici aux côtes. Après c'est de l'autre côté. Après c'est au dos. Franchement, j'ai trop mal. Donc j'ai reçu le colis pour la Saint-Valentin, pour le chef. Pour le chef, ouais. Oh, t'es chef toi, ouais. Ouais. Et lui pareil, il m'a offert un cadeau aussi de chez Rituals et de chez Lush. Donc bah là il va l'ouvrir et on va ouvrir nos cadeaux devant vous. Donc c'est parti. T'as une tache à ton maillot. Là on t'a quand même. Mort. Mais n'empêche, c'est bien que tu as pensé.
Je vais bien montrer. Donc c'est une radio. Ça fait pas mal de choses. Hein. Vintage. Parce qu'il en voulait une depuis longtemps. Et du coup, j'avais pas d'idée. Et là, après, j'ai trouvé en fait. Elle est très belle. Elle est vintage comme ça, j'aime trop. Quand je l'ai vue, je dis ah ouais, ça il faut. Et je crois que ça fait Bluetooth. Ouais. Bluetooth, USB. Ouais. Ça fait plein de choses. Je vais la boîte. Hop. Alors. Bah ça va être grand. Waouh! Mais pas la musique. Je vais être censurée sinon. Ouais, USB, musique avec ton téléphone aussi. Hein, ouais, j'essaie. Tu peux te connecter, ouais. Et même avec le PC. Ouais, c'est mignon. Elle est belle, ouais. À fond. T'aimes bien? Ouais. T'es content? À fond. Cool. Retourne là pour voir qu'on la revoit encore une fois. Ouais, elle est trop belle. Elle est vraiment belle. Classe. Bon, bah, à mon tour maintenant. Bon, allez, c'est parti, à mon tour. Donc, j'ai eu des boules Lush. Je vais les ouvrir. Je les sors. Vous verrez comment ça sent bon. Oh là là. En plus, tout à l'heure, je disais, oh, ce soir... en fait, ce matin, j'ai écouté... l'horoscope. Je sais pas si vous vous écoutez l'horoscope ou si vous y croyez et tout, mais moi oui. Enfin, j'y crois quand c'est du bon. Quand c'est du mauvais, j'y crois plus. Et ce matin, j'ai écouté et il disait il fallait que je prenne du temps pour moi. Je dis ouais, ça c'est vrai. Et on me le dit souvent. Et du coup, tout à l'heure, je lui disais oh, ce soir, je vais prendre un bain. Et comme par hasard, j'ai des boules Lush. Donc, cool. Donc j'en ai trois. Ça c'est un cadeau, non, que t'as eu? Un échantillon, ouais. Ouais. Là, le père, j'ai demandé s'ils offraient une boule ou quoi, ils offrent pas. Ouais. Non, bah non. Bah nous, on en avait des fois quand on y allait à Lille. Je me rappelle pas, moi. Non. Non, mais vous allez rigoler. C'est la Saint-Valentin, mais il m'offre un œuf. C'est plus joli. En fait, c'est... la première édition pour Pâques. Et normalement, c'est pas... Dans 15 jours, ils allaient les mettre en vente. Et du coup, il a réussi à l'avoir. Mais attendez, je vais vous expliquer un truc. C'était quand même une personne dans la 40-50 ans. Ah, comme nous, ouais. Et du coup, il va payer tout ça, il se met à la caisse. Puis il lui dit... il dit, madame, par contre... Je vais rigoler. il lui dit, madame, par contre, j'ai pas vu si c'était du chocolat au lait ou chocolat noir. Du coup, elle le prend. Puis elle regarde, elle est en train de lire. Ah, je dis, bah, je vois pas. Hein. Du coup, elle appelle sa collègue. Et elle lui dit, bah écoute, elle dit, monsieur, il demande si c'est chocolat au lait ou chocolat noir. Parce que moi, je le vois pas. Chez Rituel. Elle dit, comment ça? Il n'y a pas de chocolat dedans? Non, mais vous ne vous rendez pas compte? Elle travaille là, elle ne sait pas. Non, mais j'étais mort de rire. Donc, allez, je vais l'ouvrir. Quand même. Hein. Hop. C'est tellement bien fait qu'on n'a pas envie de l'ouvrir et tout. Pardon. Hop. J'y arrive pas. Tu as un ciseau? Donne-moi le ciseau bien. C'est un élastique normalement, fait de son côté. Tu peux pas le faire glisser son côté là-haut? Non. On met ça. Ouais. Voilà, tu peux le glisser et puis descends-le. Il est intelligent. Quand même. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons trois produits à l'intérieur de la
couleur bleue. Il n'y avait pas rouge. Non, le rouge, j'aime pas. Non, après, ouais, c'est le parfum. Là, c'est quoi le parfum? Je m'en rappelle plus. Parce que le rouge, j'aime pas. Marqué dessus le parfum. Mais c'est collé. Ah, tu peux pas le voler. Alors, là, c'est quoi? Lotion pour les mains. Oh, ça, c'est bien ça. Mais c'est que pour moi. Ah ouais. Oh, ça sent trop bon. J'aime trop. Rituel, j'aime trop. Ouais, heureusement que t'as pas pris le rouge parce que tu vois, Julie, elle me l'avait acheté là. Ah ouais, mais la senteur. J'aimais pas le rouge. Oh, ça sent bon. Oh. Ça sent bon. Là, je pense que ça, c'est une mousse de douche. Franchement, ouais. Et ils mettent de la colle. Hein. Ouais, une mousse de douche. Trop bien. C'est Off Karma. C'est le bleu. Bleu turquoise. Et là, c'est la brume. Pour les cheveux et puis le corps. Vous savez, dans les produits finis, je vous ai fait montrer le rouge. Et je vous avais dit que j'aimais pas le rouge. Et franchement, heureusement qu'il n'y a pas pris le rouge. Bon, après, je pense qu'on peut changer quand c'est comme ça. Hein. Oui. Donc voilà, j'ai eu ça. Pour la Saint-Valentin. On va ouvrir les petites boules. Par contre, c'est bien ça. Ah, c'est un beau packaging quand même. Après, on peut faire un rangement et tout, je trouve. Après, tu peux l'offrir à quelqu'un d'autre, hein, l'œuf. Pour Pâques. Et quoi? Si l'œuf, tu peux l'offrir à quelqu'un d'autre pour Pâques. Ouais, c'est vrai. Oh. Bah, pour toi. Ah, voilà. Oh là là, qu'est-ce que je peux tousser? Qu'est-ce qu'il y a? C'est chiant que tu tousses. Bah ouais, je le sais, mais je peux rien. Allez, j'ouvre les boules de chez Lush. Lush.com. Oh, tiens, la pêche. Lush, et c'est une pêche. Plat de paillettes. Je crois que c'était des fesses. Moi. Hein? Je crois que c'était des fesses. Tu crois que c'était des fesses? On dirait, non? Bah non, c'est une pêche, ah puis bon en forme de cœur. Ah, ok. Tout de suite, des fesses. Ah, non, mais. Hein? On aurait dit. Ah. Des paillettes. Ah, tu en as plein. J'ai plein de paillettes. La deuxième. La deuxième. Ça sent trop bon. C'est bonbon. Hein? T'as dit c'était quoi, non? On a marqué, sur le papier, c'est écrit à chaque fois. Mais c'est écrit en tout petit. Bah non, c'est pas écrit en français. Oh. T'es sûr, tu vois? De toute façon, c'est toujours bon. De toute façon, c'est que des produits chimiques. Hein? De quoi? Je dis c'est que des produits chimiques. On s'en fout. Toi que les paillettes, je suis tout aussi. Oh, celle-là doit être super belle. Oh, avec une rose dedans. Ouais, et ben celle-ci, ça sera pour moi ce soir dans mon bain. Mmh. Ouais, je vous la ferai en vidéo. Elle est trop belle aussi. Hein. Lush. Donc Lush, si vous passez par là. Hein, je veux bien un partenariat avec vous. Hein. C'est voilà. La bergamote dans ce là, du citron. Dans le rose. Orange du Brésil. Oh ouais. Ouais. Ça sent le bonbon, moi, je trouve. Hein. Et là, c'est un échantillon. Elles te disent quoi pour l'échantillon? C'est un gel douche. Quoi? C'est un gel douche pamplemousse bergamote. Ah ouais. Non, c'est parce que j'ai demandé, c'est Vera d'offert qui m'a donné ça. Ah ouais? Bah sinon, bah regarde comment toi, tu veux tout, toi. Regarde comment la balaie. Ouais. Moi, je pensais qu'elle allait lui donner une boule, elle a pas voulu. Ah bah non, les boules, c'est cher, hein. Bah, c'est 8 balles. Bah oui. Ah oui, elle offre dedans. C'est un gel douche. Alors, c'est un échantillon. Hein. C'est quoi, tu m'as dit, bergamote et pamplemousse. Pamplemousse, ouais. Elle l'a marqué dessus, non? Non, mais sur le truc. Voilà, je sais pas si elle arrive à l'écrire.
Ah oui. C'est pas écrit pour Pamplemousse, ça. Je sais pas ce qu'on a écrit. Bronche. C'est écrit bronche. Tu le vois? Ouais. D'accord. Et comment tu l'ouvres, ce truc, là? Ouais, comme ça. Ah, ouvre-le quand tu vas te doucher, quand tu vas remettre partout, sinon tu vas renverser. Bah ouais. Je voulais sentir aussi. Donne, bah donne, essaye. Bon, bah voilà nos cadeaux pour la Saint-Valentin. Il nous reste le resto, hein, mais comme je vous ai dit, on y va peut-être ce week-end. Ah, vivement Pâques alors. Pourquoi? Ah, pour les cadeaux. Ah, Pâques, t'as pas de cadeaux, hein. Bah, pourquoi on a la Saint-Valentin alors? Bah, parce que c'est la fête des amoureux. Bah, t'auras du chocolat. Ah, ouais. Mais toi, t'es amoureux tous les jours. Ouais. Voilà. Alors, si c'est tous les jours, tu devrais m'offrir tous les jours un cadeau. Ça sent bon, ça sent le pamplemousse. Ah, mets ton doigt, sinon il va s'enfermer. Ah. Bah, ouais, c'est bien serré. Je sais pas si ça sent. Ouais. Mmh. On sent pas trop le pamplemousse, je trouve. Ah, bah, j'y peux rien. Mmh. J'aime un peu moins. Non, je préfère mes boules. Par contre, t'aurais dû prendre ces un bain moussant. Mais j'ai plus de sous. Il y a plus de sous, écoute-le, lui. Et... Alors, ça. Bon, ben voilà, nos cadeaux pour la Saint-Valentin. Voilà. Quelle boule t'avais choisi en premier? Avec la rose, là. Ah, t'as pas pris avec les fesses? Qu'est-ce qu'il y a, macho? Viens. Viens, là. Et du coup, tout à l'heure, on s'est fait un café. En fait, avant ça, il me dit « Ouais, t'as cassé ta tasse. » Je dis « Quelle tasse ?» Il me dit « La double paroi. » En fait, quand je l'ai mis dans le lave-vaisselle, je l'ai mis où est-ce qu'elle est pique. Et je l'ai enfoncé, je l'ai cassé. Ah, je dis « Merde. » Bon, c'est pas grave, je vais en racheter une chez Action. Et du coup, après, peu de temps après, je lui dis « Bah, viens, on se boit un café. » Donc, il fait du café. Et franchement, le café de chez Leclerc, là, la marque repère en grains, dégueulasse. Franchement, il est pas bon du tout. J'arrive pas à le boire. Quand je l'ai bu, on aurait dit que c'était de la crème, mais épaisse. Enfin, franchement, pourtant, il me le fait léger quand même. Hein. Tu me l'avais fait léger, là. Bah oui. Franchement, il est pas bon. Du coup, j'ai hâte que dans la cafetière, il n'y en a plus. Et puis, quand on met un autre paquet, celui-là, ce sera vraiment en cas où quand il y a quelqu'un qui vient. Quand Amélie, elle viendra. Non, mais franchement, il est pas bon. Et du coup, je crois que je vais aller en racheter du café chez Lidl. Parce que franchement, il vaut le coup. Mais ne le prenez pas chez Leclerc. Parce que franchement, il est pas bon, pas bon, pas bon. On veut toujours le moins cher. Mais franchement, bah, j'ai payé 10 euros quand même. Hein. Franchement, j'ai fait ma radine. J'aurais rajouté 3 ou 4 euros, j'aurais eu un bon café. Et j'ai fait ma radine. Mais franchement, ouais, je regrette. À moins qu'il faudrait le mélanger peut-être avec un autre. Non? Je sais pas. Sinon, il n'y a personne qui a... cafetière à gras ici. Faire quoi? Pour leur donner. Ben non. Bon, allez. Je vais ranger tout ça avant que Julie me pique une boule. Ah, je vais lui faire montrer quand même. Hein. Mais non, non, je lui donne pas. Elle en a une, en fait. Je sais pas si elle l'a utilisé. Tu sais, le dragon que je lui ai pris, là, pour son anniversaire. Je pense pas. Elle ne me l'a pas dit, en fait. Je vais lui demander tout à l'heure, ce soir. Donc, franchement, là, trop la flemme aujourd'hui, hein. Après, je vous avais dit, hein, maintenant, chaque dialyse, c'est compliqué. Hein. Je devais faire du repassage, il est toujours là. Hein. Je dois faire une lessive. J'ai pas envie. Alors, on a regardé les films de l'après-midi. J'aime pas. C'est les films de Saint-Valentin, là. J'aime pas les films comme ça. Moi, je veux de l'action, la bagarre, des meurtres, ou... Voilà, de la bagarre, quoi. Hein? Bah non, il n'y a pas.
Donc je me suis ennuyée un petit peu là. Du coup, je jouais à mon jeu sur mon téléphone. Et je n'osais pas trop bouger parce que le moindre mouvement... Oh, j'avais une crampe. Là aussi, hein, ça me coince encore au dos. Hein. Donc je pense que le bain sera le bienvenu ce soir. Et là, le temps, c'est une catastrophe. Il n'arrête pas de pleuvoir. Il pleut, il pleut, il pleut. Il fait humide. Moi, j'avais froid tout à l'heure. Enfin, comme toujours, comme tous les jours. Et franchement, ouais. Du coup, ce soir, je sais pas si je fais les lasagnes ou si je fais les pains bagnats. Qu'est-ce que tu as envie de manger, toi? Je sais pas. Toi, tu sais pas. Mais les lasagnes, ça va vite. Hein. Il va sortir. Bon, les amis, je vous reprends assez tard. Il est 19h10. On a été chez Lidl tout à l'heure pour aller chercher le café qui est en promotion. Donc j'ai dit on va en rechercher, comme ça on est tranquille. Donc le café de San Marco, à kilo, hein, ça en grains, c'était 7,95€ chez Lidl. Donc j'ai pris deux paquets, comme ça on est tranquille, ça on peut le mettre dans la réserve. J'ai pris un concombre, j'en avais envie, donc j'ai pris un concombre. J'ai pris un bouleau coupé, du thon, j'ai pris trois boîtes, parce qu'on devait faire des pains bagnats ce soir. Mais vu l'heure, on va manger sur le pouce en fait, hein, des trucs vite fait. Donc voilà, ensuite j'avais envie de Kinder. Donc ça fait longtemps qu'on n'avait pas mangé une Kinder. Donc c'était un acheté et le deuxième paquet était à moins combien ? 40%. Donc j'ai pris ça et j'ai vu dans les promotions à moins 30% des crevettes. Des gambas en fait, comme ça. Donc ça c'est pour ce soir, on va les manger. Et là j'ai trouvé des gambas crues, pareil à moins 30%. Dedans j'ai 800 grammes et en fait je vais les congeler et c'est pour faire une plancha. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris chez Lidl. Et puis après ça on a été boire un petit café chez ma belle-sœur et puis on vient de rentrer. Voilà, là il fait un peu frais quand même, on va rallumer le chauffage et puis on va manger un petit peu parce que moi je commence vraiment à avoir faim. Le café ça creuse, hein. Même si elle met des biscuits, oh là là, puis les cheveux c'est... Ouh. Quelle horreur. Bon bah voilà. Et puis bah du coup, j'ai pas pris mon bain aujourd'hui. Hein. Non, c'est pas grave, hein. Ça sera fait demain. Et puis voilà. Allez, j'espère que ce vlog vous aura plu. Il a été court aujourd'hui. Hein. Et puis on se retrouve demain. Tu vas vider tes poches du coup. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Passez une bonne soirée. Un bon appétit à vous. Et à demain. Gros bisous, à demain. Ciao.